Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes sur la Gata TV. Bonjour les droïdes et bienvenue sur Alien Escape. Un petit jeu que je voulais vous présenter sur Nintendo Switch, je l'ai trouvé sur l'eShop de la Switch pour 5 euros. Donc j'ai dit pourquoi pas en faire une vidéo et vous présenter un peu ce petit alien. Du coup, échec du système, plus de carburant, Timmy et sa troupe d'extraterrestres s'écrasent avec leur ovni et atterrissent sur une planète inconnue. Ils cherchent de l'aide dans un village voisin. Mais malheureusement, ils se font capturer et doivent accomplir des travaux exténuants. Ils ne veulent pas supporter ça plus longtemps et décident de s'évader de la forteresse. Dans ce jeu de plateforme et d'aventure, Timmy tente d'utiliser sa capacité à influencer la gravité pour s'échapper de l'horrible château, sauver ses amis et vaincre le mal. Donc, dans ce jeu, 70 niveaux amusants, libérer les nouveaux personnages, surprise spéciale, un gameplay concept innovant, un jeu amusant pour les plus petits et les plus grands. Donc, il est disponible sur l'eShop pour 5 euros. Il est aussi disponible sur PS4, Android, Xbox One et sur PC Windows et macOS. Le jeu est sorti le 12 juillet 2019. Donc c'est assez récent. Les développeurs, c'est Nofull Game, Corion Interactive, des éditeurs Corion Game et Corion Interactive, voilà. Au niveau de la PEGI, on se situe sur une PEGI 3, donc il est ouvert à tout le monde. Donc pas de violence, rien du tout, pas de trucs obscènes et tout ça. Et le jeu fait 104 émaux sur Nintendo Switch. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le prendre. Il est léger, il est pas cher, on va le tester. Au niveau des options, on a, voilà. Son musique vibration, on va tout de suite faire une nouvelle partie. Donc c'est la première fois que je lance le jeu, je l'ai téléchargé, tac. Et là je le lance avec vous, on va le découvrir ensemble à l'instant. C'est parti. Donc, petite intro pixelisée et stylisée qui met en scène les personnages et l'aventure qui nous attend. Donc, l'ovni qui se crache, qui est réfugié, enfin qui se réfugie dans un château. Et on va voir ce qui va se passer tout de suite. Donc, du coup, première partie. Donc, on va découvrir ensemble les commandes. On va voir tout de suite. Donc, là, je récupère la clé. Du coup, ça ouvre la porte. Impeccable. Donc le jeu a une énorme bonne note et il est bien vu par les joueurs. On va voir ensemble, on va se faire notre. Et nous voilà au niveau 2. Donc du coup, voilà, on peut jouer comme ça. Donc là j'utilise ZR et ZL. Donc je joue pas avec le Pro Controller. Voilà, donc j'utilise le fait d'avoir la rotation. Voilà, pour pouvoir réussir le niveau. Donc super ingénieux comme système. Et le côté pixelisé, j'adore. Vous le voyez très bien dans toutes les vidéos qu'on peut faire sur Android. Beaucoup de jeux pixelisés, beaucoup de jeux 8 bits. Ce petit rétro gaming, ce petit côté rétro gaming, bah, il donne envie. On attaque tout de suite le niveau 3. Donc le but, ça va pas non plus. Hop, donc je vais pas faire de bêtises. Et je peux faire comme ça, voilà. Et voilà. Hop là! Ah oui, là, je suis mort. C'était pas la bonne rotation que je voulais faire. C'est pas grave. Voilà, comme ça. On va y arriver, on va pas perdre dès le premier niveau. Voilà. Et c'est réussi. 2 étoiles.
on continue l'aventure ensemble. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu. Parce que je voulais faire... Ah bah voilà. Nickel. Bon, 3 étoiles. J'ai mis un petit peu... une étoile, excusez-moi. J'ai mis un petit peu de temps. C'est parti pour le niveau 5. Donc là, c'est vraiment... le côté découverte. J'ai vraiment pas envie de spoiler le jeu. Ah bah là, ça peut pas le faire. Je pensais que j'aurais pu le faire, mais je l'ai pas fait. Ouais, comme ça. Ok. Voilà. Et après, à moi, pas me tromper. Et voilà. Donc bien réfléchir, que du coup on a la rotation, et ce qui permet à notre alien d'aller chercher le cadenas. Et moi, franchement, je le kiffe ce petit jeu. Pour 5 euros, il y a pire. On a vu sur la Gata TV des jeux de merde, hein, faut le dire. Voilà. Après, une fois qu'on a compris le principe du jeu, ça reste relativement simple. Okay, super. On va atteindre le niveau 7. Donc là, c'est parti pour un petit let's play, hein, d'une... 15-20 minutes ensemble. Non, je vais peut-être pas faire de bêtises comme ça. Ouais. 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 Bien sûr. Ouais. Ah non, c'était pas par là que je voulais aller. On va recommencer. Je pense que j'ai découvert le truc, mais je suis pas sûr. Ouais. Voilà. Exactement. Et c'est parti. Donc, agréablement surpris par ce jeu. Et les développeurs ont fait un excellent jeu. D'accord. Super. Là, on en a deux. On a réussi à sauver notre petit ami. Et voilà. On a sauvé un pote. Donc tant mieux. 3 étoiles. C'est nickel. Donc là, on a un truc. On peut changer. Ok. Donc ce qui va nous permettre, je pense, de d'avoir des bonus. Ouais. Ok. Peut-être pas bien fait de faire ça. Je crois que j'ai fait de la merde. Oh, c'est pas vrai. Du coup, faut aller au bout. Voilà. Ok. Voilà. Donc la bestiole n'apporte rien en elle-même. On change juste de personnage. On n'a pas plus de pouvoir pour autant. C'est un peu dommage. Bon, ça aurait été peut-être un petit peu cheaté de pouvoir voler, mais ça aurait été bien d'avoir autre chose. C'est mon avis personnel. Donc là, après, voilà, il faut farmer le jeu à maximum. Ok. Ah d'accord, j'avais pas vu celle-là, elle est pas mal. Ok. Ah, évidemment. Ouais.
Voilà. Bien faire attention quand je vais revenir tout à l'heure. Du coup, il est retourné à sa place, nickel. Et voilà. Non, franchement, j'adore. Déjà niveau 11 et ça fait à peu près 15 minutes qu'on est ensemble. Ok, donc là, je pense qu'il va falloir faire ça. Voilà, du coup, ce qui me permet d'avoir la clé. Ah ouais, mais pas comme ça. C'est pas comme ça que j'avais vu. Voilà. Non, 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 non. Pas d'accord, moi. Ouais, comme ça, plutôt. Mais c'est pas comme ça le plus que j'avais eu. Tac, tac. Oula, ça pue là. Non, ça pue là. Ça pue. Ça pue complètement. Voilà, ça j'ai compris. Le problème, il est pas là. Le problème, il va être de repartir après. Si je le mets là comme ça. Où est la blague? Bah voilà. Non, là c'est pas drôle. Du coup, voilà. J'en étais sûr. Voilà. Ah. Ouais. Ok. Bon. Comment je peux faire là après? Ok. Non. Non, c'est pas ce que je veux. Donc si vous l'avez vu, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous seriez passé ici. Ok. Et voilà. On a réussi le 11e niveau ensemble. Oula, 12 et 13 en parallèle. Donc qu'est-ce que ça nous cache? Ça nous cache pas mal de trucs parce que du coup, on a la caisse qui est là. Ça veut tout et rien dire. Ouais, je vais surtout faire comme ça. Que j'aurais pas dû faire. Si je vais comme ça, c'est mort. Bon, ça marche pas comme ça. Ah, je sais. Voilà. Non, c'était de l'autre sens. Pas grave. Voilà. Et voilà. Bon, du coup, après. Par rotationner. Comme ça. Ok. Voilà, faut pas faire de bêtises. Voilà. Issue. Et voilà. Non! La coince. Et voilà. Bon, c'est pas comme ça qu'il fallait faire le niveau. Mais bon. Le mérite est là. Ah, voilà. 13.
On continue. Oula, deux! C'est bien. Ok. Pourquoi j'arrive pas à gagner? Et voilà. On a réussi. Mais c'est. Ah oui, c'est bon, impeccable. C'est parfait. On continue. Allez, on le run encore un petit peu. On va voir ensemble ce que ça va donner. Du coup. Non, c'était pas dans ce sens-là. Voilà. Que c'est de la triche. Ah ouais, c'est de la triche. Hop. À chaque fois, je me trompe de sens de rotation. Voilà. Et voilà. Bon, pour l'instant, je gagne pas beaucoup d'étoiles. Et on va en terminer avec le niveau 15. On va pas aller beaucoup plus loin. Ok. Oula. C'est chaud, ça. Ouais. C'était pas le bon sens. C'est pas le bon sens non plus. Voilà. Où va être l'arnaque? Il n'y en a pas. Et voilà. Voilà, voilà pour l'épisode 15 de Alien Escape. On va revenir à l'écran. Excellent petit jeu sur l'eShop. Moi, personnellement, je vous le recommande. Vous avez vu ensemble. On a fait 15 niveaux ensemble. 15 niveaux exceptionnels, personnellement, avec la rotation ZL-ZR. Pour 4,99€, personnellement, prenez-le. Il est vraiment excellent.
La durée de vie a l'air d'être assez longue et du coup très intéressante. Voilà, de format pixel 8 bits avec une petite intronisation dans le jeu avec les ovnis qui rentrent dans le château. Hein. On a vu ça au début du game. Très intéressante. Du coup, on libère nos camarades. Voilà. Il conviendra à l'ensemble des joueurs, qu'ils soient petits ou grands. Et du coup, bah voilà, en mode portable ou en mode dock, bah il passe crème. C'est très fluide, c'est tout ce qu'on demande. Une bonne petite bande son derrière. Le loop est toujours le même, mais ça reste correct. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux pour 5 euros sur Nintendo Switch? Bon, certes, il y a les jeux sur Android qui sont free to play, mais bon, si tu veux gagner, c'est pay to win. Hein, donc du coup, tu sors ta CB. Là, c'est pas le cas. J'ai payé 5 euros et voilà, j'ai pas de pub et je peux profiter d'un bon petit jeu. Et c'est fini pour ce test d'Alien Escape sur Nintendo Switch. Je vous dis à la prochaine. Salut!